toi, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te donner. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Jésus, je t'aime. Non, rien, non, non. Rien n'est plus beau que ton nom. Non, non. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à la croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes rois. Je veux n'être qu'à toi. Pense à ce que tu dis. Jésus, je t'aime. Une passion profonde, une intimité profonde, un chant d'adoration, un chant de louange, un chant de grâce.
gratitude, un chant d'abandon. Et moi, reçois t'es racheté, t'es sauvé, t'es ressuscité. Tu es le roi de toi. Reçois, oh, notre victoire. Faisons monter un chant de louange, un chant d'adoration, un chant de célébration. Allons, que quelqu'un fasse monter dans sa présence. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Faisons monter encore mieux que cela. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Reçois splendeur et toute majesté. Tu es très digne de louange et d'honneur, digne de gloire et de célébration. Tu as créé les êtres humains sur toute la surface de la terre afin qu'ils te révèlent, afin qu'ils te célèbrent, afin qu'ils te craignent, afin qu'ils te connaissent. Toi le seul et le véritable Dieu, Dieu d'éternité, Dieu très haut et Dieu très saint, tu es magnifique. David a dit, l'Éternel est magnifique sur toute la terre. Reçois tout honneur, reçois notre gratitude, reçois notre adoration ce matin. Reçois l'expression de nos murmures,
de nos soupirs, de nos gémissements, de notre ovation, de notre adoration. Reçois l'expression, Père éternel, de notre passion, de notre dévotion. Nous te célébrons. We love you, God. We honor and shame of it, oh God. Nous t'aimons, Père. Nous n'avons pas honte de le proclamer dans l'assemblée des saints ou au dehors. Qu'importe. Tu es tout ce dont nous avons besoin de plus cher. Magnifique Saint-Esprit. Magnifique Esprit du Dieu vivant. Nous te reconnaissons et nous te confessons. Tu es digne d'être célébré ce matin dans ce lieu. Tu es digne de régner sous le trône de nos cœurs. Ce matin, notre Père et notre Dieu ne prend pas la première place au-dedans de nous, Seigneur, mais prend toute la place, car c'est toi qui nous as fait. Nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Nous te célébrons et nous t'adorons. Mon cœur te célèbre ce matin. Nous te sommes reconnaissants. À toi tout honneur, à toi toute louange, à toi toute gloire, à toi toute célébration, à toi toute acclamation, à toi les clameurs. À toi seul, à toi seul. À toi seul. Excellent Père, notre Père et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Merci pour le privilège, merci pour la grâce, merci pour l'honneur que tu nous fais, Seigneur, d'être là ce matin. Nous ne venons pas devant un chef d'État, Seigneur. Oh non, les gens se précipitent pour aller dans la maison du chef d'État, dans la maison du ministre ou des soi-disant autorités. Alors que nous, tu nous fais l'honneur et la grâce de nous approcher humblement dans la maison, Père, du chef d'État de tous les chefs d'État, le propriétaire des cieux et de la terre. Tous les gouvernements de ce monde passeront, mais la parole de Dieu déclare que ton gouvernement ne passera jamais. Sa domination durera toujours. Son administration, son influence étend d'éternité en éternité, du soleil levant jusqu'à son couchant. C'est le nom du Seigneur, le Christ Jésus de Nazareth, qui doit être exalté. Voilà pourquoi nous, Seigneur notre Père et notre Dieu, étant conscients déjà que la Bible dit que tôt ou tard, tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera sur toute la surface de la terre que Jésus le Christ est le Maître, est le Seigneur, est le Kurios, est l'Empereur. Alors nous ne voulons pas attendre, Père. Nous voulons dès à présent te célébrer, te dire merci, t'adorer et te louer. Reçois nos acclamations, reçois nos clameurs, nos clameurs, nos clameurs. Amen, quelqu'un dit Amen. Vous avez applaudi pour vous-même, mais la Bible ne demande pas d'applaudir Dieu, la Bible demande d'acclamer le nom du Seigneur, c'est-à-dire de pousser des clameurs en l'honneur de son Saint-Nom. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom. Bon Amen. Quelqu'un me dit un bon Amen, c'est-à-dire je suis d'accord. Alléluia, veuillez vous asseoir dans sa présence si vous le pouvez. Merci les chantres. Quand je vais dans la maison du Seigneur, je ne suis pas intimidé de mon voisin, je ne suis pas impressionné
par mon voisin qui n'acclame ou qui n'acclame pas, qu'importe. Nous n'avons pas été sauvés de la même manière, nous n'avons pas la même histoire, pas le même témoignage. Certains parmi nous, des fois, sont impressionnés parce que celui qui est à côté ne se lève pas, n'acclame pas. Mon frère, qu'importe, tu sais, la révélation est progressive. Quelqu'un dit amen. Je sais d'où je viens, je sais qui m'a appelé, je sais d'où il m'a tiré. Et tu vois, la Bible dit que celui à qui on a beaucoup pardonné, c'est quelqu'un qui est beaucoup reconnaissant. On n'a même pas besoin de lui dire d'acclamer, mon frère, qu'il acclame le nom du Seigneur, parce qu'il sait qui est son Dieu, il sait d'où il vient. Quelqu'un me dit un bon amen. Et qu'il acclame le nom du Seigneur. Deuxième fois, je tiens à vous présenter mes excuses, mais je ne suis pas vraiment désolé, je vous l'avoue aussi, donc je suis un peu hypocrite. Je suis ce matin devant vous, non pas comme quelqu'un qui a bu de l'alcool ou qui a pris de la marijuana ou de la cocaïne. Non, je suis quelqu'un devant vous qui s'est shooté, qui s'est dopé au Saint-Esprit. Et je vous assure que ça fait du bien. Et la Bible dit, voyez-vous que ceux qui sont possédés par l'Esprit, je vous assure qu'ils font des exploits. Vous n'avez aucune idée de comment ils peuvent être dangereux pour cette génération, des tueurs, des géants. Vous mettez des barrières, ils les franchissent. Vous mettez des murailles, ils les abaissent. Vous mettez des géants, ils les massacrent. Ils n'ont peur de rien, ils sont inébranlables, imperturbables. Ils sont, comment on dit en anglais, undefeatable. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Bref, undefeatable, unmovable, unshakable. On ne peut pas les secouer. Ils sont durs, extrêmement dangereux. C'est mon cas et c'est normal. Donc vraiment, pardonnez-moi si vous voyez que je suis un peu trop passionné, un peu trop amoureux. C'est normal, j'ai été touché moi aussi. Ah, celui qui a été touché dit amen. J'ai même du mal à rentrer dans mon message. Je suis un assoiffé de Dieu. Un passionné de Dieu. Un passionné de Dieu. Je vous assure, mes amis, rien n'est plus important que lui et lui seul. Je voulais passer à autre chose ce dimanche, mais le Saint-Esprit, cette semaine, m'a dit de rester sur le fondement de la culture du royaume, sujet dont nous avons parlé la semaine dernière, donc je vais redire la même chose. Pourquoi ? J'ai demandé au Seigneur pourquoi il m'a dit, parce que c'est un sujet qui est tellement profond que tu dois être sûr que tout le monde comprend parfaitement ce que tu as compris. Ce qui va montrer que vous comprenez, c'est quand vous aurez la capacité de pouvoir en parler en toute aisance, avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de simplicité, pas avec des mots compliqués. La culture du royaume, quelqu'un dit la culture du royaume. Oui, alors je vais redire certainement les mêmes choses, je ne voulais pas, mais vous savez, j'ai toujours dit, avant de venir prêcher chaque dimanche, être pasteur, ce n'est pas un amusement. Je ne sais pas comment vous faites, vous qui voulez être pasteur. En tout cas, nous ne cherchons pas à être pasteur, je ne me lasserai pas de vous le dire. Nous essayons même de fuir au contraire, mais Dieu nous rattrape à chaque fois par le collet de la chemise, comme avec Moïse, il dit, petit, tu vas me servir, mon fils. Alors, j'ai dit, la semaine dernière, on a parlé des lois du royaume, de quelques caractéristiques des lois du royaume, et j'ai parlé en particulier d'une loi. J'ai dit que la loi est à l'origine de la culture. Alors, si vous êtes là pour la première ou la deuxième fois, c'est probable, il est probable que vous ne compreniez pas
on the picture, toute l'image, mais restez avec nous, vous allez comprendre progressivement. Nous avons dit que dans un royaume, tout commence avec la loi. Dans un pays quelconque, tout commence avec les lois. Nous avons dit que lorsque Jésus est venu annoncer le royaume de Dieu, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est arrivé. Jésus n'annonçait pas une religion, Jésus annonçait un pays, un territoire, un pays bien déterminé qui n'est pas visible à l'œil nu, qui n'est pas perceptible à l'œil nu, mais qui est ô combien réel. Et nous avons dit que dans tout pays, faisons des parallèles, dans tout pays, tout commence par des lois. La loi, de manière générale, est la première des choses que tout citoyen doit connaître dans un pays, qu'il soit citoyen du pays ou étranger dans le pays, que tous les habitants qui habitent et qui résident dans un pays doivent connaître les lois en vigueur dans le pays, parce qu'elles s'appliquent à absolument tout ce qui vit et respire sur le pays. Nous avons dit que la semaine dernière, nous avons dit que la loi, et je me concentrerai encore dessus, nous avons dit que les lois, la loi, quand on dit la loi, c'est les lois, de manière générale, le système législatif, la loi est à l'origine de la culture. La loi engendre la culture dans un pays. Et j'ai dit la semaine dernière que la culture, c'est l'une des choses les plus difficiles à changer chez un être humain. La culture. Le royaume des cieux, c'est un territoire, une patrie, un pays invisible à l'œil nu, mais sur lequel Dieu règne. Nous avons dit la semaine dernière qu'une religion, elle comprend ce qu'on appelle des adeptes ou des fidèles, mais un pays ne comprend pas des adeptes ou des fidèles. Un pays comprend ce qu'on appelle des citoyens. Quelqu'un dit citoyen. Voilà pourquoi quand vous venez à ICC, on vous dit, nous sommes une représentation diplomatique du gouvernement de Dieu sur la terre. Mon nom, enfin, quand on m'appelle, on doit m'appeler citoyen ou encore excellence, éminence, majesté, etc. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, ce n'est pas grave. Il y a des formations qui vous aideront à comprendre ces choses fondamentales parce que je suis en train de parler des fondamentaux. On pratique une religion, mais on ne pratique pas une culture. On se conforme à une culture. Nous avons dit que ce qui fait que les citoyens, ce qui fait que des gens soient citoyens d'un même pays, ce n'est pas le fait qu'ils aient la même couleur de peau, non, mais c'est qu'ils adhèrent à la même culture. On peut être tous de couleur marron, pas dire noir. Quand on nous regarde bien, nous ne sommes pas noirs. Quelqu'un dit amen. Les enfants, alors, à l'école, ils ont appris à dire que je suis marron et fier de l'être. Parce que vraiment, noir, frère, c'est noir. Hein? Bon, entre nous, quand tu vois le micro. Entre nous, il y a quand même une légère différence. Je suis fier de ce que je suis par la grâce de Dieu. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Quelqu'un dit amen. Que tu sois gros, gras, grand, petit, minuscule, minuscule, mon gars, tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Béni Dieu pour toi. Quelqu'un dit un bon amen pour lui-même. Donc nous avons dit que ce qui fait la différence, ce qui fait des citoyens des mêmes pays, ce n'est pas la couleur de peau, non, pas du tout. C'est plutôt la culture à laquelle les hommes choisissent d'adhérer ou de se conformer. Mais au fait, un petit rappel quand même en passant, j'ai eu à cœur de parler de ça. Quand commence la citoyenneté du royaume des cieux? Nous parlons du royaume des cieux, nous parlons du royaume de Dieu. On fait le parallèle entre le royaume, les royaumes humains, les royaumes, quand on dit royaume de Danemark, royaume d'Espagne, royaume du Maroc. Nous ne parlons pas de religion, quelqu'un dit amen, mais nous parlons bien d'un pays sur lequel il y a un roi qui gouverne, qui règne, qui exerce une administration, une souveraineté, une domination sur l'ensemble d'un pays. Mais alors, à quand commence réellement la citoyenneté? Vous voyez là, je vous pose vraiment les fondamentaux. Mon frère, ma soeur, je ne me presse pas. Dis à ton voisin, il n'est pas pressé. Non, je ne suis pas pressé parce que c'est trop facile. Non, parce que vraiment, je vous assure, je sais là où Dieu veut nous emmener. Et ce qui est terrible, c'est que quand on veut construire un bâtiment qui est très haut, je répète la même chose tous les jours, il faut prendre le temps de mettre une fondation qui est solide. Si je commence à vous débiter toutes sortes d'enseignements, je vous assure, ça va vous faire plaisir, vous serez content, mais vous n'allez pas porter du fruit. Et dès qu'il y aura un petit vent là, vous allez être émoussé. Il faut prendre le temps de poser des fondations qui sont solides. Quand commence la citoyenneté dont nous parlons tous les jours? Jean chapitre 1, verset 10. Jean chapitre 1, nous allons beaucoup lire aujourd'hui la Bible. D'ailleurs, quand vous venez à l'église, c'est vrai qu'on met en général les écrits pour vous faciliter la tâche, mais vous avez quand même le devoir de venir à l'église avec vos Bibles. Il y a quelqu'un ici qui est mal à l'aise parce que toute la semaine, il n'ouvre pas la Bible. Ce n'est pas toi, c'est ton voisin, t'inquiète pas.
toi, tu es détenu. Toi, je sais que toi, tu lis la Bible tous les jours. Mais il y a quelqu'un qui est ton voisin, en l'occurrence, qui ne prend pas le temps de lire la Bible. Donc, viens au moins à l'église dimanche, ouvre les pages avec nous. Quelqu'un dit amen. Si tu n'es pas capable de donner tous les 66 livres de la Bible dans l'ordre, tu as donc une bonne occasion de commencer à ouvrir ta Bible et d'apprendre, de t'instruire. Jean chapitre 1, verset 10. Il est écrit, « Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. » À tout cela, quelqu'un dit à tout cela, c'est-à-dire à ceux qui ont cru en lui, il a donné, il a accordé le privilège. Quelqu'un dit le privilège. Oh, dites le privilège. Aïe, aïe, aïe. Le privilège de devenir enfant de Dieu. Et ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qui le sent devenu, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Quelqu'un dit, ils sont nés de Dieu. Quelqu'un dit, je suis né de Dieu. Mais tu le dis seulement si c'est la vérité, mon frère. C'est la vérité, ma soeur. Quelqu'un dit, amen. Quand commence la citoyenneté? Lorsque tu nais de Dieu. Lorsque tu nais de Dieu. Lorsque tu nais d'en haut. Ça veut dire quoi? Je continue. Jean chapitre 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus répondit à un homme qu'on appelle Nicodème. En vérité, je te le dis, ça veut dire, attention Nicodème, je t'annonce une révélation qui est importante. Quand il dit en vérité, ça veut dire qu'il va lancer une bombe. Il va dire quelque chose de très profond. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et verset 7, il lui dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Alors, question, quand commence la citoyenneté, comment entrer dans le royaume? Réponse, il faut naître de nouveau. Dis à ton voisin, il faut naître de nouveau. Comment naître de nouveau? Il faut croire en la personne du Christ Jésus de Nazareth qui a donné son sang à la croix du calvaire pour toi et moi et toute l'humanité. Christ est venu et la Bible dit que pour naître de nouveau, il faut croire en lui. Pas de manière intellectuelle, oui je crois que la Bible est vraie, non, mais avec son cœur, avec le cœur. Pas de manière intellectuelle, mais avec son cœur. Tu crois dans ton cœur. Tu ne crois pas parce que tu raisonnes. Tu crois juste parce que tu t'abandonnes, parce que tu reconnais qu'il est ta source de vie, qu'il est ta passion. Même si la passion n'est pas encore là aujourd'hui, mais au moins tu reconnais qu'il est celui qui t'a créé, il est celui qui t'a fait. Il est le créateur de toute chose, de toute chair, de tout souffle. Est-ce que quelqu'un me suit? Que faire là alors? Que faire lorsque quelqu'un est né de nouveau? Bien aimé, ça ce sont des, je fais juste des rappels. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, lorsque tu nais de Dieu, ça veut dire quoi quand tu nais? Ça veut dire quoi naître de Dieu? Ça veut dire que tu étais mort. Mort, ça ne veut pas dire que tu étais mort physiquement, non, parce qu'il y a trois morts. La mort physique, la mort spirituelle, puis la mort éternelle. Mort, ça veut simplement dire que tu étais séparé de Dieu. Le mot mort en grec, c'est un mot qui veut dire séparé de la source, séparé de la source. Oui, tu marchais, tu vivais, tu allais en boîte de nuit, tu travaillais à l'école, tu travaillais dans le travail, etc. Tout ça, c'est bien, mais la Bible dit que vous étiez mort par vos offenses. Celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui n'est pas réconcilié avec Dieu est mort. Il fait la fête, grosse voiture, grosse carrosse, belle maison, peu importe, plusieurs femmes, une seule femme, qu'importe, il est mort. Et que se passe-t-il lorsque tu nais de nouveau? L'Esprit de Dieu souffle en toi et tu reviens à la vie. Qui revient à la vie? Ton esprit. Ça veut dire quoi, il revient à la vie? Ça veut dire qu'il se reconnecte à sa source. Il se reconnecte à sa source créatrice, c'est-à-dire Dieu. Si tu prends le poisson, tu le sors de l'eau, alors que dans l'eau, il était parfaitement dans sa source, tu le sors de l'eau, le poisson va mourir. Si tu prends le lion, tu le prends, le roi des animaux, il est féroce, il est conquérant, il est redoutable, tu le sors de la terre, la surface de la terre, et tu le mets dans l'eau, tout fort, tout vaillant, tout puissant qu'il est, il va mourir. Pourquoi? Parce que tu viens de le détacher de sa source. Mais lorsque tu prends le lion, tu le remets sur la terre ferme, fais attention à toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que là, il retrouve son élément, son environnement naturel. Lorsque quelqu'un est reconnecté à Dieu, le souffle de vie revient en lui. Il est reconnecté à son créateur. Méfie-toi de lui. C'est une personne potentiellement dangereuse. Ah, quelqu'un dit un bon amen.
Alors que dois-tu faire lorsque tu renais de Dieu? Donc lorsque le souffle de vie t'est redonné, que tu te reconnectes à ta source. Spirituellement parlant, tu viens de naître. Et le monde naturel nous démontre les réalités du monde spirituel et vice-versa. Lorsque tu nais de nouveau, lorsqu'un enfant naît, que doit-il faire? Lorsqu'un enfant naît, qu'est-ce qu'il doit faire? Premier réflexe, quand il naît déjà, à peine il est né, il doit se retourner vers le sein de sa maman. Pour faire quoi? Pour se nourrir. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors que dois-tu faire lorsque tu nais de nouveau? Je suis obligé de rappeler ces fondamentaux parce que beaucoup ne les ont pas respectés. Beaucoup ne les connaissent pas. Voilà pourquoi leur vie est un véritable naufrage. Mais rassure-toi mon frère, tu es au bon endroit. Tu es au bon moment et tu es la bonne personne. Il n'est jamais trop tard pour prendre les bonnes décisions de la vie. Jamais trop tard. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Que dit la parole? Que dois-tu faire lorsque tu es né de nouveau? 1 Pierre chapitre 2, je lis dans la version Louis II. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. La version parole vivante, est-ce que vous l'avez? La version parole vivante. La version parole vivante, 1 Pierre chapitre 2, verset 2 nous dit, les nouveau-nés réclament leur lait à corps et à cri. Vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés, entre parenthèses, à la vie d'en haut, c'est-à-dire à la vie de Dieu. Recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la parole, afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Il est en train de vous dire que lorsque tu nais de nouveau, c'est ce que quelqu'un ici a oublié. Lorsque tu viens de naître, tu n'es qu'un nourrisson, tu n'es qu'un bébé. Et ce que Dieu exige de toi, de la même manière que ce que les parents, ce que la société exige d'un enfant qui vient de naître, c'est qu'on lui donne du lait. Quel lait? Le lait de la parole de Dieu. La parole est une nourriture. La parole est une nourriture. Tu as besoin de prendre du lait. Quand quelqu'un vient de se donner au Seigneur, on ne lui donne pas de la viande. Tout comme quand tu viens de naître, on ne te donne pas de la viande ou les cacahuètes. Quelqu'un dit amen. Ça, c'est déjà, faut déjà commencer à mastiquer, à mâcher. On te donne d'abord du lait. Tu as besoin de prendre le lait au départ. Mais n'empêche que le lait aussi a sa saison. Parce que mon frère, ma soeur, après quand même quelques années dans le Seigneur, le lait n'est pas convenable. Et pourtant, il y a encore beaucoup de frères à qui il faut donner de lait. Et quand ils vont à l'église, 10 ans, 5 ans après, c'est encore le lait. Est-ce que quelqu'un me suit? Plus tard, l'apôtre Paul nous explique que celui qui est né de nouveau, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, devient ce qu'on appelle un enfant de Dieu, un enfant par adoption. Romains 8, verset 15, il est écrit, « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves. » Et qui vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet Esprit que nous crions Père, Père, Abba, Père, cher Père. Comment nous crions Père, Abba, Père? Des phrases que je ne savais même pas dire à l'époque. Je ne savais même pas dire notre Père, mon Seigneur, mon Dieu, mon Roi. Moi, je ne connaissais pas ces choses-là. Pas du tout. Mon épouse qui était musulmane ne connaissait même pas ces choses-là. Mais comment tu es capable aujourd'hui de dire « mon Père, mon héros, ma vie, ma gloire » C'est par le Saint-Esprit que tu as reçu, qui t'a fait naître de nouveau. Et Dieu dit que tu deviens ce qu'on appelle un fils, c'est-à-dire un enfant à d'adoption. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Or, lorsque tu deviens un enfant d'adoption, n'oublie pas une chose, tu avais ta citoyenneté de la même manière que lorsque tu deviens français ou lorsque tu deviens américain par exemple, parce que là-bas au moins les choses sont un peu plus normalisées, structurées que dans certains pays dont je dirais le nom naturellement. Lorsque tu deviens citoyen français, tu étais né congolais, mais lorsque tu deviens français, on te donne d'abord des cours de naturalisation et on te dit que la France t'adopte. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la naturalisation. Ça veut dire que c'est ce pays qui n'était pas ton pays à l'origine
fais de toi maintenant un citoyen de ce pays nouveau. Tu deviens ce qu'on appelle un enfant d'adoption dans ce pays. Voilà pourquoi on parle de naturalisation. Et la naturalisation doit te conduire à une parfaite intégration dans le pays. Si tu es né de nouveau, si tu es né de Dieu, l'objectif de Dieu, ce n'est pas de t'emmener à pratiquer une religion, mais plutôt de te conformer à une culture, la sienne. Tout comme maintenant, tu dois te conformer, si tu es français, à la culture française. Tu dois parler le français. Tu dois t'habiller comme le français. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot culture? Je répète, derrière le mot culture, on met la constitution à laquelle nous nous soumettons. Parce que chaque pays est doté d'une constitution. Derrière le mot culture, on met d'abord les lois. Après la constitution, on met les lois. Les lois auxquelles on choisit de se conformer. Extrêmement important, les lois. Quelqu'un dit les lois. On reviendra toujours, mes amis, sur les lois. Et c'est ça que j'essaie vraiment de mettre, d'inculquer en vous. Les lois, les lois, les lois. Chaque pays a ses propres lois. Il y a des lois qui concernent tous les pays, mais il y a des lois qui sont spécifiques au pays. Le royaume de Dieu a aussi ses propres lois. Quelqu'un dit amen. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot culture? Derrière le mot culture, on met les langues ou encore le langage. Quel langage parles-tu? Quel est le langage que tu parles régulièrement? Non, je ne parle pas du langage qui te permet de t'exprimer. Je parle du langage inhérent à ta propre personne, à ta personnalité. Quel langage parles-tu? Dans le royaume de Dieu, il y a un langage qu'on parle. Nous allons revenir régulièrement sur ces choses. D'ailleurs, le mot culture, on met des valeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est non négociable? Qu'est-ce qui est important pour ma vie? Il y a des choses qui étaient importantes hier pour moi, qui ne sont plus importantes aujourd'hui. Pour toi aussi, il y a des choses qui étaient importantes, qui ne sont plus importantes. Quelqu'un dit amen. Il y a des choses qui étaient importantes, ça ne l'est plus aujourd'hui. Derrière le mot culture, qu'est-ce qu'on met? On met des normes. Nous en avons parlé la semaine dernière, des normes vestimentaires, des normes alimentaires, des normes musicales, comportementales. On met des normes, des normes. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot culture? Tout à l'heure, je vais revenir dessus. On met des croyances. Et les croyances, je vous l'ai dit, sont plus puissantes que toutes les religions du monde. Alors, quel est mon point? Quand tu acquiers la nationalité d'un pays, le pays d'adoption exige que tu sois un bon citoyen. Que tu sois un bon citoyen. Quand tu acquiers la nationalité céleste, le pays d'adoption, le royaume de Dieu, représenté par le chef du gouvernement en la personne de Jésus de Nazareth, de Christ, exige que tu sois un bon citoyen. Il ne s'agit pas de payer ta dîme. Mais je paye ma dîme. On s'en moque. Tu peux payer tes impôts dans un pays tout en étant un mauvais citoyen. D'ailleurs, tu peux même payer tes impôts en râlant. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, ici, on n'a pas ce problème-là en général. Dans d'autres cieux, là. En général, vers le mois de septembre, les gens sont en colère. Pourquoi? C'est le mois où l'État français envoie des impôts. Payer 3000 euros. Ah, c'est trop! Paye quand même. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il ne suffit pas de faire tel ou tel acte. Tu dois te conformer à la culture du pays. Tu dois devenir un bon citoyen. Et j'ai dit, pour être un bon citoyen, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te conformer à la culture. Mais d'où vient la culture? La culture vient des lois en vigueur dans le pays. Donc, tout commence par les lois. Or, quand on parle de loi, de quoi on parle? On parle de la parole de Dieu. Dans le royaume de Dieu aussi, tout commence par des lois. Au Congo aussi, tout commence par les lois. Quand Dieu décide de sauver Israël, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il donne à Israël? Je reviens encore dessus. Quand Dieu décide de sauver le peuple d'Israël, il les prend de l'Égypte et il veut les emmener dans un nouveau pays. Mais avant ça, il doit d'abord s'assurer qu'avant d'aller dans le pays, il faut d'abord que le peuple connaisse l'essentiel. Alors qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Je vais vous donner une série de versets, juste pour que nous comprenions tous la même chose et nous allons doucement. Dis à ton voisin, il prend son temps. Si tu dis, mais je maîtrise, alors tu vas m'expliquer. D'abord, tu vas venir sur la chaire ici nous expliquer ce que tu sais. Pareil que le micro fait fuir beaucoup de gens. Exode chapitre 18, verset 20. Dieu dit à Moïse, écoutez, Dieu dit à Moïse,
Lorsque Dieu veut faire de ce peuple son peuple, lorsque Dieu veut faire de ses enfants ses enfants, voilà ce qu'il dit à Moïse. Exode 18, verset 20. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent et ce qu'ils doivent faire. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Il dit à qui? À Moïse. En parlant du peuple. Ce peuple-là qu'il appelle son peuple. Ce peuple qui décide de faire son peuple. Il dit, ça va être mon peuple, mais tu dois leur enseigner les ordonnances et les lois. Donc les prescriptions et les lois. Exode chapitre 16, verset 28. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Deutéronome chapitre 4, verset 5. Moïse dit au peuple d'Israël, il fait un récapitulatif, un historique, il fait un rappel au peuple d'Israël. Il dit, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Quand j'ai dit Deutéronome, il y en a qui sont en train de chercher, c'est où Deutéronome? Non, là tu es à Matthieu, c'est pas bon. Reviens au début, là. Reviens au début. Dis à ton voisin, il parle de toi, on dirait. Non, je sens des feuilles qui se tournent dans tous les sens, là. Ça, c'est pas clair. Tu tâtonnes, là, mon frère. Il faut avoir l'habitude de lire et d'ouvrir ta Bible. Quelqu'un dit amen. Deutéronome 4, verset 5, je répète. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. Qu'est-ce que Moïse a enseigné à son peuple? Qu'est-ce que Moïse a enseigné au peuple qui dirigeait, qu'au peuple sur lequel Dieu l'a établi? Qu'est-ce qu'il enseignait? Il dit, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. On t'enseigne des lois afin que tu les mettes en pratique. Deutéronome chapitre 4, verset 14. Il est écrit, en ce temps-là, allons rapidement, en ce temps-là, 4, verset 14, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. L'Éternel était obsédé par l'idée d'enseigner des lois, des prescriptions des lois. Deutéronome chapitre 4, verset 40, encore, n'êtes pas fatigué? Moi non plus, on continue, ça ne fait que commencer. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il dit, observe les lois et les prescriptions de Dieu afin que tu sois heureux. La version grecque dit encore, afin que tu sois béni, toi et tes enfants après toi. Autrement dit, la véritable bénédiction de l'Éternel dépend de l'observation des lois. Elle ne dépend pas du fait que tu as chanté Jésus. Non, 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 non. Observe les lois. Quelqu'un dit amen. Le psalmiste a dit dans le psaume 119, au verset 108, les frères à la régie, ils souffrent en ce moment. À la régie, et puis le Seigneur. Psaume 112, verset 108. Le psalmiste a dit, agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Quelqu'un dit, enseigne-moi tes lois. Dis-le avec le cœur sincère, enseigne-moi tes lois. Hébreux chapitre 8, verset 10. Là, tu vois, tu n'es plus à Deutéronome, maintenant dans l'Ancien Testament. Tu passes plus loin et tu vas au livre de Hébreux. Il y a quelqu'un qui est perdu, c'est pas grave, suis seulement l'écran. On est ensemble. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur. Là, il parle des temps dans lesquels nous sommes. Il parle des temps où le Messie viendra, où le Christ se manifestera sur la terre. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai
dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mais avant d'être mon peuple, il y a une chose qu'il doit faire. Il doit écrire, il doit mettre les lois dans ton esprit. Il doit les écrire sur les tables de ton cœur. Avant d'être mon peuple, il faut que les lois soient gravées. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Deutéronome chapitre 4, retour en arrière. Retour en arrière. Deutéronome chapitre. Regarde seulement à l'écran, frère, c'est bon. Deutéronome chapitre 4, verset 6. Voilà ce que l'Éternel dit en parlant encore des lois. Vous les observerez en parlant des lois et vous les mettrez en pratique. C'est toujours la même chose qui revient. C'est toujours la même chose. Car ça sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois, des lois du royaume, et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Il dit, ceux qui observent les lois et les mettent en pratique, ils sont sages et ils sont intelligents. Et le monde, quand il les regarde, le monde dit, waouh, ils sont sages et ils sont intelligents. Ça, c'est ce que dit la Bible. Bon, maintenant, soyons un peu honnêtes entre nous. Ce n'est pas vraiment ce qu'on dit du peuple de Dieu aujourd'hui. Hein. J'ai jamais entendu quelqu'un dire que ce peuple-là est sage et intelligent. Quelqu'un dit aïe. Généralement, quand on parle du peuple de Dieu, on parle du boucan qu'ils font, nuisance sonore, et plutôt nuisance nocturne, nuisance diurne, misère, mendicité, médiocrité, saleté, etc., etc. Est-ce que c'est parce que Dieu est mauvais? Non. Est-ce que c'est parce que Dieu ment? Non. C'est simplement parce que mon frère, ma soeur, nous avons enseigné beaucoup de choses, mais nous n'avons pas enseigné des lois, parce que celui qui connaît les lois du royaume de Dieu, tout comme celui qui connaît les lois de la France ou des États-Unis, alors qu'il y habite, logiquement, à force de connaître les lois, mon frère, ta vie ne peut pas rester la même. Quelqu'un dit amen. Quel est donc mon point? Mon frère, ma soeur, je dis, les lois engendrent la culture et une culture, on s'y conforme. La semaine dernière, nous avons dit, comment développe-t-on la culture? Comment est-ce qu'on fait pour développer la culture? Nous avons dit, comment est-ce qu'on fait, comment font les gouvernements pour contraindre les citoyens à adopter de nouvelles habitudes? Comment font les gouvernements pour contraindre les citoyens à adopter de nouvelles habitudes? Comment fait le gouvernement des cieux ou le gouvernement de Dieu pour contraindre les citoyens à adopter de nouvelles habitudes? Comment fait le gouvernement congolais pour contraindre les citoyens congolais à adopter de nouvelles habitudes? Qu'est-ce qu'il fait? Il légifère. Ça veut dire quoi? Il légifère, c'est un terme qui est beaucoup trop juridique. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des lois ou encore il vote des lois. Lorsque la loi est appliquée, nous avons dit la semaine dernière, à force de sanctionner, lorsque la loi est appliquée, généralement les gens, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas obéir à la loi dès qu'elle est naturellement appliquée. Donc, que doit faire le gouvernement? Il doit sanctionner, il doit taper, il doit mettre des peines d'amende, de prison, de condamnation, de mal-être. C'est ce que aussi Dieu fait dans ta vie, mon frère, ma soeur. Quand tu ne veux pas, par exemple, obéir à la loi de l'amour, t'inquiète pas, tôt ou tard, il va te contraindre. Des fois, tu n'as pas envie d'aimer, tu dis, je n'arrive pas à aimer, tu dis, ok, pas de problème. Tu sais que celui qui n'aime pas, c'est celui qui souffre le plus. Quelqu'un dit amen. Quand tu es rempli de haine ou d'amertume, qui souffre? Ce n'est pas ton prochain, c'est toi-même. C'est toi qui es en train de souffrir. Et le gouvernement de Dieu dit, t'inquiète pas. La Bible dit que l'Éternel châtie et corrige ceux qui l'aiment. Quand ton cœur est trop rempli d'orgueil, tu ne veux pas obéir à la loi de l'humilité, t'inquiète pas, vis seulement. Le ciel te regarde et dans ta vie, il y aura quelques aventures, quelques expériences et quelques épreuves qui vont te rendre extrêmement humble comme le ciel veut que tu demeures humble. Je suis un témoin vivant de ce que je suis en train de vous dire ce matin. Croyez-moi, quand tu vois les frères, non mais moi tu sais, non, en fait, bon moi, surtout nous les hommes là-bas, en fait, moi je t'explique, hein, je viens d'arriver à l'église, mais en fait, tu vois là, bon je fais quand même une faveur à Dieu quoi, parce que venir le dimanche c'est dur. Bon, en fait, j'ai du boulot, quoi, tu vois, je suis directeur général, bon, voilà, d'une société très importante, je fais des milliards, mais j'ai pas tellement le temps pour Dieu, mais enfin, je sais quand même venir à l'église, pasteur, tu sais, c'est pas évident. Mon frère, vis encore. Vis seulement. Est-ce que quelqu'un me suit?
On appelle ça de l'autosuffisance, de l'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Ce n'est pas le diable qui s'oppose à toi. Satan peut s'opposer à toi, tu peux contourner par la grâce de Dieu. Mais quand c'est Dieu qui s'oppose à toi, tu fais quoi? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu vas aller où? Dieu te dit, petit, mon fils, tu es bloqué. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne connaissez-vous pas l'histoire de Jonas qui résista à la parole de Dieu, à une instruction de Dieu? Moi, voilà pourquoi j'ai décidé d'obéir seulement à Dieu. Je suis là devant vous parce que j'obéis à Dieu. Ce n'est pas ma volonté personnelle. Ce n'est pas vrai. C'était que moi, je serais à la place de la Pémarque. Jonas a dit, Dieu lui dit, lève-toi, Jonas, va à Ninive, va annoncer le salut, l'évangile à ce peuple-là parce qu'il est trop rebelle. Jonas dit, la dernière fois, j'ai annoncé, ils ne se sont pas repentis. Et puis quand ils sont repentis, tu as pardonné. Toi, tu pardonnes trop facilement. Les gens font des bêtises, ils font des gaffes, ils font des fautes lourdes. Toi, tu pardonnes trop facilement. Cette fois-ci, je n'y vais pas parce que je sais que si j'y vais, si je parle, s'ils se repentent, tu vas encore pardonner. Toi, tu es trop patient. Moi, je n'ai pas ta patience. Oh Dieu, je n'y vais pas. Cette fois-ci, c'est terminé. Dieu lui dit, lève-toi, va à Ninive. Il dit non. Vous savez ce qu'il fait? Dieu lui dit, va là-bas, il est allé à Ninive, il va à Tarsis, dans la direction radicalement opposée à Ninive, et il part tranquillement, le gars en train de fuir le commandement de l'Éternel, et il marche comme tous les sapeurs du Congo, en train d'essayer de fuir la parole de l'Éternel. Quelqu'un dit amen ici. Alors pendant que le gars il fuit, il se dit, non, l'Éternel ne me voit pas. Dieu ne voit pas. Seigneur, laisse-moi. Et pendant qu'il est en train de partir, mon frère Jonas, prophète de l'Éternel en parenthèse, se retrouve au niveau d'une embarcation qui est en train de partir. Il dit, bon, très bien, sur la terre là tu peux m'attraper. Au moins dans les mers là, il ne pourra pas m'attraper. Il oublie que l'Éternel est Dieu là-haut dans les cieux, en bas sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Où fuiras-tu, mon frère? Alors pendant que Jonas va, il désobéit à la parole de l'Éternel et il rentre dans un bateau. Et le bateau avec des pêcheurs expérimentés prend le cap, parce que logiquement des pêcheurs expérimentés ne lèvent pas le cap tant que le vent n'est pas favorable. Ça c'est les inexpérimentés qui se lèvent pour dire allons, naviguons. Non, les expérimentés sondent d'abord le ciel, ils disent ok, on peut y aller. Et c'était favorable pour eux. Mais à cause de Jonas, la météo a changé. Quand Dieu, mon frère, ma soeur, dans la vie, tu vois, n'accueille pas. Il faut être hospitalier, il faut faire de l'hospitalité, mais il faut discerner aussi qui tu accueilles sous ton toit. Parce qu'il y a des Jonas que tu peux recevoir avec humilité, avec amour. Mais Jonas va amener ta vie, ta maison dans l'enfer. Pas à cause de toi, parce que Dieu le pourchasse lui. Qu'est-ce que quelqu'un me suit? Donc voilà comment le bateau maintenant a chaviré. Seigneur, voilà les gars qui étaient partis en toute liberté, avec paix, avec amour. Finalement, ils se sont retrouvés à faire un naufrage. Mais ils étaient sages, ils ont dit non. Nous, quand on est partis, tout était clair. Apparemment, il y a quelqu'un ici là qui nous apporte la poisse. Il y a quelqu'un ici qui est une source de malédiction dans une maison. Vous savez, des fois, il faut savoir réfléchir. Quelqu'un dit amen. Quand tu vois que subitement les choses ne marchent pas comme elles devraient marcher, assieds-toi un instant. Pas seulement dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, assieds-toi, réfléchis. Eux, ils ont dit non, cette affaire n'est pas claire. Il y a quelqu'un ici qui nous amène la poisse. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré au sort. Allez, on prend la pièce. Tic. Ah, c'est toi. Des gens qui n'avaient absolument rien de méchant dans leur cœur, ont décidé, vous vous rendez compte, on est dans un bateau, on voit qu'il y en a un qui est maudit, ils prennent le gars, ils le jettent à l'eau. Vous vous rendez compte? Mais c'est un assassinat! Les gars se moquaient de savoir ce qui allait lui arriver. Il dit non, nous on doit préserver le bateau. Des fois il faut chasser les Jonas. Et parfois les Jonas sont aussi des pasteurs. Là, c'est un prophète, hein? Porte-parole de l'Éternel, mais un rebelle. Et quelqu'un dit amen. Là, tu penses que tout ce qui est pasteur, c'est de l'or, ça brille. Frère, c'est faux. Il y a des pasteurs qui sont des poisseux. Ils t'emmènent la poisse. Quelqu'un dit amen. Moi, j'en connais. Je ne dirai pas qui. Là,
tu vas dans quelle église? Dans l'église du pasteur en tête. Je dis, ouh, ou courage, ma soeur. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai oublié de quoi je parlais. Vous m'avez embrouillé. Non, je sais, mais avant Jonas, je parlais de quoi? Je dis, lorsque donc la loi est respectée, à force de sanctions. Voilà, donc je disais que Dieu nous contraint à obéir en nous faisant passer par diverses expériences parce que nous violons les lois. Jonas avait violé la loi de l'obéissance. L'obéissance. Oui, donc c'est toi. Donc il y a quelqu'un ici qui est ton voisin, c'est pas toi, rassure-toi, qui se dit que Dieu, je peux mentir, je peux encore tromper un peu, c'est pas grave. Le Seigneur comprend. Tu violes les lois, nul ni personne n'est censé ignorer les lois. Je vous ai dit à plusieurs reprises, les lois ont une particularité, c'est qu'elles n'aiment pas être violées. Quelqu'un dit amen. Alors nous avons dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Matthieu chapitre 12, verset 26. Matthieu 12, verset 26. Jésus dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Que dit le Seigneur? Le Seigneur dit que Satan a bien un royaume. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Le Seigneur reconnaît que Satan a bien un royaume. Jean chapitre 12, verset 31. Tu quittes Matthieu, tu tournes vers la droite et tu avances légèrement, tu vas trouver l'évangile de Jean. Jean chapitre 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Jésus dit, le Seigneur dit, Satan est un prince. Est un prince. Prince de quoi? Prince d'un royaume. Est-ce que vous me suivez? Donc, bien-aimé, quand on parle du combat spirituel, on est donc en train de parler d'une bataille entre non pas un royaume et une religion, mais un royaume et un autre royaume. Satan n'est pas le chef. D'ailleurs, le mot prince en grec veut dire chef, premier, prince, leader. Satan n'est pas le leader, le chef, le meneur, le prince d'une religion. Il est le prince, le leader, le chef d'un royaume. Et ce royaume est appelé le royaume des ténèbres. Ça veut dire quoi, ténèbres? Ténèbres vient du mot grec ignorance. Ignorance. Donc il dit, c'est le chef, le leader, le prince du règne d'un royaume qui consiste à maintenir les gens dans l'ignorance. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Ils vont à l'église, ils chantent, ils louent, ils lisent la parole. Mais ils sont ignorants. Ignorants de quoi? Ignorants des lois. Alors, en scène, tu as beaucoup de choses. Mais tant qu'ils ne connaissent pas les lois, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas une menace. Ils ne sont pas un danger. Est-ce que vous me suivez? Donc, le combat spirituel dont nous parlons souvent est aussi, entre autres, un combat royaume contre royaume. Or, un royaume est caractérisé par une culture. Donc, c'est un combat aussi culture contre culture. C'est quoi une culture? C'est aussi un mode de pensée, un système de pensée. Si le royaume des ténèbres est un royaume, ça veut dire que le royaume des ténèbres a aussi ses propres lois. Parce que tout royaume a ses lois. Donc le royaume des ténèbres a aussi ses propres lois. Lesquelles? Je vous ai dit la semaine dernière, la haine, la méchanceté, l'injustice, le mensonge. Est-ce que tu vois la haine? Non. Et tu la perçois, tu la discernes, tu la reconnais.
Tu peux dire, j'ai vu la haine, je l'ai attrapée. Non, mais tu vois les effets de la haine. Est-ce que tu vois l'injustice? Non, mais tu vois les effets de l'injustice. Est-ce que tu vois la peur? Non, mais tu vois les effets de la peur. Donc tout est invisible, tu ne vois que les effets. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dit amen. Le royaume des ténèbres a ses propres lois. Le mensonge. Ça, c'était ma spécialité à l'époque. Je mentais comme je respirais. Je mens. Pour rien, je mentais. J'étais moi aussi soumis à la culture. Ne vous inquiétez pas, il y a plus de 20 ans de cela, oubliez-moi. Là. Le déshonneur, le vol, l'impureté. L'impureté, c'est une loi. En fait, toutes les lois du royaume des ténèbres, donc du royaume de l'ignorance, en réalité, ne sont que les opposés des lois du royaume de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères, mes soeurs, je prends mon temps. C'est une bataille de culture contre culture. Loi contre loi. Le royaume des ténèbres est caractérisé par sa propre culture, son propre système de pensée. Comment appelle-t-on la culture du royaume des ténèbres ou encore du royaume de l'ignorance? Je répète, le diable n'a pas peur que tu aies une église. Parce que beaucoup vont à l'église, mais sont encore sous la culture du royaume des ténèbres. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Si, mon frère, si, ma soeur. Quelqu'un dit continue. De toute manière, je n'ai pas le choix. Alors il dit le royaume, je vous dis, le royaume des ténèbres est caractérisé par sa propre culture, son propre mode de pensée. Comment appelle-t-on la culture du royaume des ténèbres? Comment on l'appelle? Le. Alors dites-moi, le monde, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que le monde? Bon là, je vois les étudiants qui ont fait 101 ou 201 là, qui sont en train de me répondre. Là, je n'aime pas ça. Qu'est-ce que c'est que le monde? Vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit vous êtes la lumière de la terre. Il n'a pas dit la terre. Il a dit vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce que c'est que le monde? Le monde, c'est un système de pensée. C'est vrai. Le monde, c'est une culture démoniaque. Le monde, c'est une espèce de toile d'araignée qui a été tissée sur toute la surface de la terre et qui gangrène et qui est déposée, répandue dans les pensées de tous les êtres humains dès leur naissance. Comment est-ce possible? Cela est possible parce qu'au commencement, lorsque Dieu créait l'espèce humaine, et il lui donne le nom de Adam. Adam, il donne le gouvernement de la terre à un homme qu'on appelle Adam. Et lorsque Adam décide de troquer, d'échanger, d'abandonner la souveraineté, le leadership, le gouvernement de la terre, par désobéissance envers Dieu, et du coup, Satan s'est emparé. Voilà pourquoi Jésus dit que c'est le prince d'un royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui lui a donné ce royaume? Adam. Toutes les fois que tu n'assumes pas tes responsabilités, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Oh, quelqu'un dit amen. Qui lui a donné cette chefferie-là? Ce mandat d'être chef? C'est Adam. Et depuis qu'il a pris ce leadership, qu'est-ce qu'il fait? Il répand comme une toile, il répand comme une étoffe sur toute la surface de la terre. Quoi? Sa culture. Son mode de pensée. Quel mode de pensée? Le sien. Mode de pensée satanique. Il existe sur toutes les régions de la terre des entités qu'on appelle des dominations. Ces dominations qui existent sur chaque surface, sur chaque entité, chaque grande région de la terre, ont pour but d'infiltrer, de pénétrer le monde des pensées des habitants de la zone sur laquelle ils sont établis. Est-ce que quelqu'un me suit?
En Asie, il n'y a pas la, en Asie, il y a une culture qui est différente. En Afrique, il y a une culture aussi qui est différente. En Occident, en Europe, il y a une culture qui est différente. En Amérique, il y a une culture qui est différente. Et rappelez-vous, quand je parle de culture, je parle des lois, je parle des normes de comportement, je parle des valeurs, je parle des croyances, etc. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous emmène quelque part, suivez-moi. Mais de manière générale, au-delà des régions sur lesquelles il y a une culture, par exemple, vous savez que les croyances en Afrique ne sont pas les mêmes croyances qu'au Japon, ne sont pas les mêmes croyances qu'en Amérique. Il y a des choses que nous, nous faisons ici en Afrique qui ne sont pas ailleurs, en termes même de croyances. Il y a de la musique que nous écoutons ici, qu'on n'écoute pas là-bas, en France, par exemple, ou au Japon. Toi, tu vas mettre chauffer. C'est quoi ça? Ce n'est pas la même culture. Là-bas, c'est la méditation. Alors que vous ici, c'est boum, loué. Bon, et tu vois, si tu vas faire ça là-bas, tu vois, les gars, ils vont se sentir un peu mal à l'aise. Mais c'est quoi tout ce bruit, ce vacarme? Oh, c'est horrible ça. Tout comme quand tu vas là-bas, tu t'entends en train de faire. Tu dis, mais on s'ennuie ici, hein, purée. Va en boîte de nuit. Mais on m'a dit d'aller en boîte de nuit, mon gars. Non, mais ici, c'est une autre culture. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, vous voyez, en fonction des régions, la culture n'est pas la même. Mais je répète, la musique, les vêtements, les comportements, toutes ces choses font partie de la culture. Les valeurs font partie de la culture. Les lois auxquelles je me soumets font partie de la culture. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc ça, il y a donc des cultures spécifiques à chaque région. Mais il y a aussi ce qu'on appelle une culture commune, qu'on appelle la culture du monde. Cette culture dont je parle, elle transcende, elle est au-delà de toutes les régions. Qu'on soit en Afrique, en Amérique, en Asie, dans les pays arabes, il y a une culture qu'on appelle le monde, qui est une culture aussi générale. 1 Jean chapitre 2. En quoi consiste cette culture? Allons-y. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Je lis la version Parole Vivante. Il dit, bien-aimé, n'aimez pas le monde. Quelqu'un dit, n'aime pas le monde. Dis à ton voisin, n'aime pas le monde. Oui, dis-le lui encore parce qu'il n'a pas l'air d'être content là. On dirait qu'il ne veut pas te sourire. Bon, tourne-toi vers quelqu'un qui va te sourire. Hein, dis-lui, n'aime pas le monde. Ni rien de ce qui fait partie du monde. Ok, je lis. Et puis il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'a pas de place dans son cœur. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, qu'on appelle encore de la version du second, la convoitise de la chair, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, on appelle encore la convoitise des yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance. C'est ce qu'on appelle encore l'orgueil de la vie. Il dit, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde, avec tous ses attraits, est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent passera. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors mon frère, ma soeur, d'accord, tu vas à l'église tous les jours, tu pries tous les jours, ok, très bien. Mais la question, c'est à quelle culture te conformes-tu? Parce que la culture à laquelle tu te conformes détermine le royaume auquel tu te soumets.
ou le royaume auquel tu appartiens. Il dit, n'aime pas. Quelqu'un dit, n'aime pas. Ok, de quoi il parle? La convoitise de la chair. Ça veut dire quoi la convoitise de la chair? Ok, allons-y. La fornication. C'est-à-dire tout ce qui est rapport sexuel. La fornication, la débauche, l'adultère, la pornographie. Autrement dit, là, il est en train de parler des œuvres de la chair. La vénération du sexe. C'est quoi la fornication, la débauche? C'est tout rapport sexuel qui n'est pas fait dans le cadre de l'alliance, dans le cadre d'une alliance. Cette bague est une alliance entre Yves Castanou et Miss Merveille que vous connaissez, qui s'appelle Abiba Castanou. Il n'y en a pas deux comme elle. S'il y en avait deux, franchement, je vous l'aurais dit. Là, il y a ça qui est mal à l'aise. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Nous sommes habitués à cela. Vénération du sexe. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la culture du monde. Vénération du sexe. Écoutez, soyons clairs. Le sexe est une bonne chose. Quelqu'un dit un bon amen. Il y a quelqu'un qui n'est pas content. Oh, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tout ce que Dieu a créé est bon. Bon, d'abord, faut pas faire entre Adam et Johnny. Parce que là, Dieu n'est pas dedans. Et ensuite, si ta femme s'appelle Abby, ne cherche pas une autre femme à côté. Parce que là, tu violes une loi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le sexe est une bonne chose. Que quelqu'un dise le sexe est une bonne chose. Même si tu n'es pas encore marié, dis-le dans l'espérance d'être marié un jour. Alléluia. Non, il y a quelqu'un qui te dit, le sexe est une bonne chose. Non, sois détendu, dis à ton voisin, sois calme. Il y a des gens qui ont des rires nerveux là en m'écoutant. Je chasse l'esprit de trouble qui anime ton cœur là actuellement. Ne viole pas la loi de la sainteté. Écoutez, qu'on ne vous trompe pas. Moi qui vous parle, ça fait 20 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. 20 ans que je n'ai touché qu'à une seule femme, c'est la mienne. Jamais d'autre, jamais, jamais, jamais. Même pas embrasse, même pas bisous sur le... Jamais. D'ailleurs, quand je n'étais pas marié avec le pasteur Abby, quand on était fiancés, moi je vous vois regarder. Nous, quand on était fiancés, je ne voulais même pas toucher sa main. Ça me donnait des chatouilles bizarres là. Des envies. Mais ça là. J'étais dur, j'étais radical. Donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Parce que moi, à l'époque, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 4 petites amies. Ou encore copines. Tout arrêté. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'étais sincère. Donc, n'aimez pas le monde. Quelqu'un dit, n'aime pas le monde. Dis à celui qui est derrière. Parce que celui qui est devant, on n'a pas l'air de vouloir sourire. Dis. N'aime pas le monde. Non, retourne-toi. Non. Frère, sourire. On vous regarde là. Filmez. Filmez-les. Ils ne veulent pas sourire. Filmez. Tournez la caméra là. Regardez-les. Ah, voilà. Frère là. Il y en a un que j'ai vu qui était trop nerveux là. Mais filmez bien vous aussi, on voit rien là. On dirait que le frère qui filme même, il n'est pas clair. Quelqu'un dit amen. Il dit, n'aimez pas le monde, la convoitise de la chair. C'est quoi la convoitise de la chair? Les disputes, les envies, les jalousies. Toutes les fois que vous voyez des frères, des sœurs, qui sont en train de se disputer pour des bâclettes, pour des bêtises, c'est la convoitise de la chair. C'est la culture du monde. Les jalousies. Regarde, un jour, il y a des pasteurs qui disent, lui, il a pris mes brebis, hein. Et il n'est pas normal, hein. C'est pas juste. Immature. Culture du monde. Jalousie pour rien. Toujours elle. Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Elle a encore acheté une nouvelle voiture. C'est seulement les mêmes. Jalousie. La convoitise de la chair, c'est la culture du murmure. T'as vu que le pasteur, il a mis une cravate bleue aujourd'hui. Shut up! Ça veut dire la ferme. La culture du monde. Qui a triomphé en toi? Le monde jusque-là. Le murmure. Regarde-le. Laisse-moi tranquille. Culture du monde.
Pourquoi seulement lui? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Les murmures, les jalousies, les envies. Tu violes la loi de l'amour et tu souffres pour rien. Tu souffres pour rien. Pendant que tu es en train de faire le gars, il marche tranquillement, il est content, il aime son Dieu, il loue son Dieu. Toi, tu es en train de passer ton temps à le calomnier pour rien. Regarde cette décision-là, je n'aime pas. Mon frère, tu sais, il y a des vies. Parfois dans la vie, tu vas vivre certaines injustices parce que Dieu aussi te forme dans les injustices. N'essaie pas toujours d'avoir raison. Parce que des fois, tu veux te former dans certaines choses. Des fois, il y a des gens qui te font du mal. Mais c'est pour durcir, affermir ton caractère. Tous les gens que tu côtoies ne seront pas gentils ou cool. C'est pas vrai. Il y a des gens qui vont te haïr pour rien. Ils obéissent à une autre culture. La culture de la méchanceté. Mais toi, tu marches dans une autre culture. La culture de l'amour. Donc, quand ils te haïssent, qu'est-ce que tu fais? Tu pardonne et tu les bénis. Dégage, Dieu te bénisse, il n'y a pas de problème. Dégage, tu es béni quand même, j'insiste. Dégage, tu es béni. Oh, le temps est passé. Convoitise de la chair, la magie, les sciences occultes. C'est pas moi qui dis, c'est écrit. La magie, les sciences occultes. Il y a des gens parmi nous, vous savez, ils aiment tellement voir des choses spectaculaires, des choses étonnantes, des choses merveilleuses. Ils vont dans les actes de magie. Oh, je peux disparaître de mon corps, je peux faire telle chose, je peux faire telle ou telle chose. Ils aiment tout ce qui est spectaculaire. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de transgresser les lois de Dieu. Ils rentrent dans les choses de magie, de sciences occultes. Ça, c'est ce que font les gens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui connaissent Dieu n'ont pas besoin de ces choses spectaculaires. Ils marchent dans une assurance royale. Ils sont inébranlables. Frère, je vous dis, faites, venez ici là, faites vos affaires, faites vos mimiques. Laissez les âmes de l'église venir chez moi. C'est de la pluie. Je vous écraserai. Vous ne allez pas mourir. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Mourir, non. Seigneur, laisse-les vivre. Qu'ils sachent que l'Éternel règne. Et que Dieu s'est choisi une phase. Oh, quelqu'un dit amen. J'aime la magie. Oh mon Dieu, c'est un grand sorcier. Ce que tu appelles grand sorcier, c'est petit. C'est de la pluie. C'est de la pluie, ça ne pèse rien. Ça ne pèse rien. Même si tu fais tes tours de passe-passe, regarde, je fais ça. Chez moi, j'écrase, je domine. Christ règne. Tu sais qui est le Christ? Parce que les gens, ils ne connaissent pas Dieu. Donc, comme votre vision de Dieu est trop petite, vous dites, c'est un grand magicien, un grand sorcier, un grand quoi? Même le moustique est trop gros. Apprends à voir comme Dieu voit. Apprends à penser comme Dieu pense. Je t'en supplie. C'est pour ton bien que je te le dis. Connais Dieu! Convoitise de la chair, l'idolâtrie, mais ça j'en parlerai après, l'idolâtrie, les rivalités, les passions qu'on appelle passions incontrôlées, toujours, matin et soir, jeux vidéo, ça c'est des passions incontrôlées, ça te prive même du temps dans la présence de Dieu, tu n'arrives même pas à prier parce que toujours les jeux vidéo, toujours, ça c'est des passions incontrôlées, méfie-toi de toutes les passions incontrôlées. Tu dois être contrôlé par l'Esprit de Dieu. Oh, quelqu'un dit amen. Il n'aime pas la convoitise. Après, il dit, n'aimez pas la convoitise des yeux. Oh, ça. La soif de voir et de posséder tout ce qui attire tes yeux. Tu voyais un bel homme. Ah, oh, il est pas mal, hein? Marié ou pas marié? Tu vois une belle femme. Elle est pas mal celle-là, mon gars, on l'a passé. Frère, moi je ne regarde pas. Tu vois une belle voiture. Je la veux celle-là. Oh mais non, un autre l'a déjà. Oh, je ne peux plus la voir parce que quelqu'un l'a déjà acheté. C'est la culture du monde. Hey, réveille-toi. C'est la culture du monde. Moi je connais quelqu'un qui a. Pas dit son nom. Elle a à peu près 1000 paires de chaussures. Dès qu'elle veut une chaussure, elle veut. Chaussure, elle veut. Chaussure, elle veut. Il dit, mais toi, tu vas où avec ça?
Et elle ne le porte même pas. C'est du gâchis, c'est du gaspillage. Mais elle est soumise à une culture. Dès qu'elle voit, elle veut. Dès qu'elle voit, elle veut. Écoutez, Dieu n'est pas contre l'abondance. Quelqu'un dit amen. Ce n'est pas mauvais d'avoir des belles choses dans sa vie. Quelqu'un me dit un bon amen. Parce que là aussi, il y a des églises où on nous a dit que c'est mauvais d'avoir 4 voitures, 5 voitures, 6 voitures. Oh, non, frère. Tu peux en avoir. Après, tu peux aussi louer, prêter aux frères de temps en temps. Tu vois, non? On peut donner. Quand tu as trop de maisons, là, tu peux aussi louer des maisons aux frères à prix bas. Je vais vous dire, ce n'est pas mauvais d'avoir l'abondance. Dieu est pour l'abondance. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ton cœur s'attache à ces choses. Moi, je connais des gens, dès que tu as rayé la voiture du frère, sans faire exprès, « Hey, tu as rayé ma bagnole, purée, regarde ça, non, non !» Oh, qu'est-ce qu'il y a? Là, quelqu'un dit, « C'est le monde !» Top attaché à sa voiture. C'est la culture du monde. Donc, c'est le royaume démoniaque, le royaume de Satan qui contrôle ta vie. Tu es né de nouveau, mais tu es encore resté bébé. Tu n'as pas changé la culture. Tu n'as pas encore adopté la culture du royaume des cieux. Quelqu'un dit un bon amen. Il dit encore, n'aimez pas l'orgueil de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'orgueil que t'inspire la richesse et la puissance que tu as reçue. Tu te sens important ou tu te sens quelqu'un parce que tu as maintenant du pouvoir. Parce que tu as maintenant de l'argent, alors même ta démarche a changé. Le ventre aussi commence à changer. Bon, moi en l'occurrence, mon ventre est toujours plat. Je fais un régime. Mais il y a des gens qui se sentent importants parce qu'ils ont du pouvoir, parce qu'ils ont de l'argent. C'est de l'orgueil. C'est la culture du monde. C'est la culture du monde. Parce que ce qui te rend important, ce n'est pas ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Ce qui te rend important, c'est ton esprit. C'est les valeurs que tu as. Qui te dit, que sais-tu de ta vie? Que sais-tu ce que tu seras demain? Tu ne sais pas encore, mais tu es important. Parce que quand Dieu dit tu es important, tu es important. Quand Dieu dit tu as de la valeur, c'est le chef d'État, de tous les chefs d'État, qui dit tu as de la valeur. Tu as du prix à mes yeux, tu comptes, tu es un chef-d'œuvre, tu es merveilleux, tu es merveilleuse. Quelle belle créature, tu es ma fille, tu es mon fils. Ça, pour toi, c'est suffisant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais il y a quelqu'un ici qui ne se sent important que lorsqu'il a quelque chose. C'est la culture du monde. Fais attention. Fais attention. C'est de l'orgueil. Tu te sens supérieur aux autres parce que tu as une bonne stature, une bonne position sociale. Tu te sens supérieur aux autres. C'est la culture du monde. C'est de l'orgueil. Si tu ne changes pas de culture, Dieu te détruira. Et quelqu'un dit amen. Tu te sens inférieur aux autres parce que tu as une faible position. C'est mauvais, c'est aussi de l'orgueil. Et je répète, quand tu te sens inférieur à quelqu'un parce qu'il a l'air d'être plus haut que toi et toi tu es en deçà, c'est de l'orgueil. Pourquoi? Parce que le jour où tu auras quelque chose, tu vas t'enorgueillir. Donc même quand tu es inférieur, tu n'as rien envie à qui que ce soit. Tu n'envies pas ceux qui ont, tu n'envies personne. Tu bénis Dieu, tu dis mon tour viendra. Et en attendant, je me préparerai. Quelqu'un dit un bon amen. Moi, je connais des gens, même dans l'église, même dans le monde, il y a des choses qu'ils ne peuvent plus faire parce qu'ils ont une certaine fonction. Je ne peux plus. Attention, je ne peux quand même pas faire la vaisselle. Je suis un chef. Oh, je suis pasteur. Je ne peux pas ramasser quelque chose qui est par terre. Frère, s'il te plaît, viens ramasser ton église pour l'amour du Seigneur naturellement. Quelqu'un dit, c'est le monde. Dans les... Dieu n'a pas de superstar. Dieu n'a que des enfants. Et Dieu n'a que des serviteurs. Autrement dit, des esclaves. Un esclave est prêt à servir en toutes circonstances. Même quand ce n'est pas lui qui est de service aujourd'hui, il est quand même vigilant parce qu'il est toujours prêt à servir. Toujours prêt à... Il voit un problème, il apporte la solution. Il y en a qui regardent le problème. Moi, je vis à l'église la dernière fois, il y a 2 dimanches. Il pleuvait. J'étais en train de racler, je raclais, je raclais. Vous êtes tous sortis pour dire, pasteur, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non, moi, je montre l'exemple. Ça ne me fait rien. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Au contraire, je suis même content de servir. J'étais en train de racler.
enlever l'eau. Il y en a qui arrivent. Oh, c'est le pasteur. Il n'y a pas de problème. Quand Jésus s'est abaissé pour laver, nettoyer les pieds des disciples, quand il s'est relevé, il était encore le Seigneur. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, quand tu rencontres quelqu'un, oh, il veut m'épouser, pasteur, je l'aime. Non, il est chrétien, il va rentrer à l'église. Non, attends d'abord, ce n'est pas la question, est-ce qu'il prie ou dans quelle église il va. C'est à quelle culture il obéit. Qui contrôle sa vie? Le royaume de Dieu? Si c'est oui, alors tu vas voir qu'il est soumis à la culture du royaume de Dieu. Le royaume des ténèbres, tu vas voir qu'il est soumis à la culture du monde. Beaucoup de gens dans les églises sont remplis de gens. Ils aiment le Seigneur, mais ils sont soumis à la culture du monde. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il faut arrêter de dire, oui, mais moi, je suis dans telle église, ça ne veut rien dire. Je connais le Seigneur, je suis diacre Jean-Baptiste du nom du prophète Jean-Baptiste, celui qui a précédé le Seigneur Jésus de Nazareth. Bon, mais moi, je suis diacre donc depuis à peu près 52 ans. J'ai été baptisé il y a 64 ans. On s'en moque. À quelle culture obéis-tu? Demande à ton voisin. Bon, lui, il a parlé de vouloir te sourire. Donc, demande à un autre voisin. Alors, j'ai bientôt fini. Que dit le roi? Que dit le Seigneur par rapport à cette culture du monde? Puisque tu comprends qu'on peut être... Quand on est né de nouveau, je vous ai dit, la culture du monde touche tout être humain qui naît, qui vient dans le monde. Ce n'est que lorsqu'on est de nouveau qu'on peut basculer, changer de culture. Tant que tu n'es pas en Christ, il y aura toujours quelque part la culture du monde qui te tiendra. Et donc tu seras toujours soumis aux règles du monde. Et donc au royaume de ténèbres, au royaume de Satan. Qu'importe, si Dieu lui-même a dit que mon peuple est détruit par son manque de connaissance, donc par son ignorance, il savait de quoi il parle. Son peuple soumis à la culture du monde. Et je vous ai dit, le pays qui t'adopte veut que tu deviennes un citoyen modèle, un citoyen exemplaire. Qu'est-ce qui prouve que tu es un vrai citoyen? C'est la culture. Lorsque tu te conformes à la culture du pays qui t'a adopté. Alors, que dit Dieu? Romains, chapitre 12, que vous connaissez beaucoup d'entre vous. Que dit Dieu par rapport à la culture du monde? Il dit, version le semeur, ne vous laissez pas modeler, ne vous laissez pas façonner par le monde présent ou encore par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Ne vous laissez pas façonner, modeler par le monde actuel. Dieu ne te demande pas de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Jamais. Il t'aime trop pour cela. Jamais. Version parole vivante. Est-ce que vous avez la version parole vivante? Romains 12, verset 2. Allons. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle ou encore le monde présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Qu'est-ce que l'apôtre Paul explique? Il explique en réalité que plus tu es capable d'être transformé par la parole, parce qu'au commencement, c'est la parole. La culture vient de la parole. Plus
plus la parole te transforme, plus tu es capable de comprendre les différents niveaux de la volonté de Dieu. Et il y en a trois. Il y en a trois. Ce qui est bon, ça je n'ai pas en parlé aujourd'hui. Ce qui est agréable et ce qui est parfait. Plus tu te nourris de la parole, plus tu comprends les lois du royaume, plus tu comprends les lois. Plus tu comprends les lois, plus ton esprit, ton homme intérieur est transformé. Plus tu es transformé, plus tu comprends et tu acquiers la culture du royaume de Dieu. Plus tu acquiers la culture, plus tu comprends la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu et ce qui est parfait. Et plus tu comprends ce qui est agréable à Dieu, plus tu réjouis son cœur, plus tu lui fais plaisir. Et plus tu fais plaisir à Dieu, mon frère, plus tu brilles, plus tu resplendis, plus tu éclaires, plus tu impactes, plus tu domines, plus tu règnes, plus tu as de l'abondance. Parce qu'un père qui aime beaucoup ses enfants et dont les enfants lui font pleinement plaisir ne refusera rien à ses enfants. Rien. Quelqu'un dit amen. Un père qui aime les enfants, mais surtout qui reçoit en retour une affection, un amour sans pareil de ses enfants, ne refusera rien à ses enfants. Tu n'as même pas besoin de prier pour que Dieu te garde. Il te garde systématiquement. Pourquoi? Parce qu'il sait que si on t'enlève, si l'ennemi te prend, mais qui va lui faire plaisir? Qui va lui offrir des louanges comme toi tu le faisais? Qui va l'adorer comme toi tu le faisais? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Voilà pourquoi la Bible, en parlant de David, l'homme au cœur selon Dieu, la Bible dit, l'Éternel était avec David. Partout où il allait, l'Éternel protégeait David. Non, j'aime trop ce passage. David était un homme qui avait perçu, il avait percé le mystère du cœur du Père. Il comprenait la pensée du Père. David connaissait Dieu. Il voulait faire plaisir à Dieu. Il se moquait de tout. Il était roi. Il se moquait de sa titre royale. Devant Dieu, il était comme un enfant. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend? David avait acquis la culture du royaume de Dieu. Quel est le but de la culture? Au final, faire de nous des bons citoyens. Des bons citoyens, c'est ceux qui font honneur au pays, honneur à la patrie. Quelqu'un dit amen. Quand le pays, quand ils sont distingués, le pays est dans la joie. Parce qu'il brille. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Allez, faites de toutes les nations. Dans le monde, allez et brillez, éclairez le monde avec vos valeurs, avec vos normes, avec vos principes, avec votre foi. Éclairez le monde. Le monde qui est dans les ténèbres, qui lui est soumis aux lois de la méchanceté, de la haine. Répandez l'amour, répandez la joie. Quand les gens sont stressés, non, ça va mal. Répandez la paix, répandez la joie. Répandez l'amour, répandez la justice. Faites ce qui est juste. Ne faites pas comme les gens du monde qui font ce qui est injuste. Faites ce qui est juste. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est alors quand tu comprends ces choses, quand tu commences à développer la culture du royaume, que tu te rends compte que ta vie est en train de changer, que ta vie devient meilleure, que tu deviens une meilleure personne, parce que petit à petit tu changes, tes habitudes changent, tu deviens plus sage, plus intelligent, amen, plus serein, plus fort, plus conquérant, plus discret. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que les lois font partie intégrante de toi. L'amour n'est plus du tout un gros challenge pour toi. Tu parles un nouveau langage. Au lieu de parler comme les gens du monde, ça va mal, ça va pas, j'ai perdu ça. Toi, ton langage, c'est la foi, tout va bien. Comme la femme tsunamite. Perds ton enfant, tragédie grave. Où vas-tu, femme? Il y a un problème? Tout va bien. Mon fils est mort, mais tout va bien. Parce qu'il est encore sur le trône. Parce que Dieu règne encore. Tu vois, ton langage change.
tu parles le langage de la foi. Tu parles le langage de l'amour. Lorsque vient te dire, ah, regarde-lui un tel, il a dit telle chose de toi à ton sujet, tu dis gloire à Dieu. Je ne parle pas le langage de la jalousie, de l'amertume, des calomnies, des commérages. Je dis gloire à Dieu, tout va bien. Moi j'aime beaucoup la paix à Nicée. La paix à Nicée, c'est l'homme que tout le monde connaît comme tout va bien. Des fois il m'énerve. Tout va bien. Chef, tout va bien, tout va très bien. À Nicée, ça va pas? Tout va bien, chef. Au début je disais, mais quoi, tu fais exprès? Après j'ai compris que c'est un don. Tu adoptes de nouvelles valeurs. Avant, tu avais un système de valeurs où, qu'importe, c'était d'abord moi, ma maison, ma famille, mes enfants, moi, moi. Maintenant, ton ordre de valeur a changé. Ce qui est important dans ta vie, ce n'est plus comme les autres. Toi, ce qui est important, c'est Dieu. Faire sa volonté, lui faire plaisir. Ce qui est important pour toi, c'est le Saint-Esprit, la communion avec Dieu, le Saint-Esprit. Ce qui est important, c'est la famille. La famille. Quelqu'un dit la famille. Ton foyer conjugal avant tout. D'abord le foyer conjugal et après le reste. D'abord le foyer conjugal. Tu dois nourrir, développer ta famille, solidifier ta famille, instruire tes enfants, chérir tes enfants, aimer tes enfants, encourager tes enfants, fortifier tes enfants. Pas tu es bête. Non, ça c'est le langage du monde. Dans le royaume, on dit tu es un homme vaillant. Tu es un champion. Tu es le meilleur. Mais papa, j'ai échoué à l'école. Tu vas réussir la prochaine fois parce que tu es le meilleur. Tu es le fils de papa. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour réussir. Tu es un champion. Tu es un chef-d'œuvre. Voilà les paroles d'amour, les paroles d'encouragement. Ça, mes amis, mes frères, mes soeurs, c'est la culture du royaume. Qu'est-ce qui est important pour toi? La famille. Qu'est-ce qui est important? L'église. Il pleut. Ah, mais je ne peux pas aller à l'église parce que j'ai un petit rhume. Ah bon? Nous, dans les valeurs, dans la culture du royaume de Dieu. Non, mon frère, la famille de Dieu, c'est important, c'est l'église. Il pleut, on est à l'église. Il fait froid, on est à l'église. Il fait chaud, on est à l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? On va dans la maison de l'Éternel. On est fiers d'y aller. David avait compris. Il dit, I was glad when they told me to go into the house of the Lord. J'étais dans la joie lorsqu'on m'a dit, allons à la maison de l'Éternel. Il y a beaucoup d'entre nous ici. Quand on n'avait pas encore d'église, on galérait, on soupirait. Est-ce que c'est vrai? On s'ennuyait. Moi, je suis allé dans beaucoup d'églises. C'est pas que c'est mauvais, c'est bien. Mais ça ne correspondait pas. Ça ne correspondait pas à ce que je voulais. J'avais un autre environnement que je voulais, une autre atmosphère que je rêvais. Quand je suis arrivé au Congo, c'était dur pour moi. Très dur. Le dimanche, j'étais là à la maison en train de regarder les cultes à Paris. Étant à Brazzaville, pas par ma volonté, mais par sa volonté à lui. Donc j'étais un peu amer, je dis, mais Seigneur, tu m'as fait quitter mon environnement de délice à ICC, à Boissy, à Paris, alors que tout était parfait là-bas. Il me dit, tu vas reproduire ici ce que tu as vu là-bas. Je dis, oh yes! Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est progressé. Et là encore, vous n'avez rien vu, les amis. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu encore. Ta vie change. Qu'est-ce qui est important pour toi? La mission. C'est-à-dire ta destinée. Tu comprends alors qu'il devient important de découvrir le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Qu'est-ce qui est important? Le travail. Tu développes. Quand tu commences à acquérir la culture du royaume, je termine. Tu développes de nouvelles normes comportementales. Vous voyez? Tu t'habilles maintenant décemment. Avant, tu t'habillais un peu dans le désordre, tu vois, non? Les choses un peu flagada, bizarres là. Robe pas trop basse, plutôt trop haute, un peu trop haute. Si tu fais ça ici, je te chasse. Si tu es nouvellement converti, je ne te dis rien. Je te parle avec amour. Mais si ça fait Kokoba, tu es Kokoba, 3 ans, 4 ans dans le Seigneur, tu viens ici là. Non, pasteur, en fait, je n'ai pas d'autres vêtements. Dégage. Non, je vous préviens, comme ça, quand je le ferai, vous n'allez pas dire que non, il a été odieux. Non, 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 non. La sainteté, c'est une règle. Mais quand quelqu'un veut se convertir, tu n'as pas les mêmes règles envers lui. Parce qu'il est bébé, il faut l'éduquer. Et quand ça fait un certain temps, non, là, ce n'est plus acceptable. Ton habillement doit changer. Quelqu'un dit amen. Ça ne veut pas dire non plus s'habiller mal, parce que là aussi, il y a des soeurs, franchement. Quand tu les vois, tu dis, bon, au nom du Seigneur, je m'habille. Non, même ton mari ne voudra pas de toi. Même le Saint-Esprit est dégoûté.
femme, habille-toi, lave-toi, parfume-toi, sois belle pour le Seigneur et pour moi. Amen. Quelqu'un dit seulement dit amen, il n'y a pas de problème. Si tu es marié, non, il y a des sœurs, j'ai vu des sœurs, vraiment, j'ai dit, bon, moi-même, si je suis ton mari, même si je suis les yeux bandés, totalement désespéré, 20 ans, je ne te touche pas. Tu sens mauvais, tu. Regarde tes cheveux, c'est flagadas, on dirait King Kong. Bon, mais on va aller voir ça. Tu t'habilles sobrement. Quelqu'un dit amen. On peut s'habiller sobrement. Mais la tenue vestimentaire, c'est aussi culturel. Donc, ça fait partie de la culture. L'amour, partie de la culture. Même la musique. Vous savez, au début, il ne faut pas dire aux gens, n'écoute pas telle musique. Quand je me suis converti, ok. Au début, j'écoutais encore la musique que j'écoutais hier. Et vous savez quoi? Avec le temps, plus la parole pénétrait mon cœur, plus j'avoue, il y a des musiques que je n'arrive plus à écouter. Je ne peux pas. Vous ne me verrez jamais écouter certaines musiques. D'ailleurs, je ne sais. Du coup, je suis un peu démodé parce que je ne sais même pas ce qui, soi-disant, est à la mode dans le monde. Et très franchement, ça ne m'intéresse pas. Je m'en moque. Donc, quand on me dit, oh, il y a tel concert au stade Massamba Déba, il dit, mais concert de quoi? Oh, telle musique, telle star. Ah bon, mais moi, je ne connais pas. Je ne connais rien. Parce que ma culture a totalement changé. Je n'écoute que la musique qui glorifie, qui honore, qui révère Dieu. Cela dit, je ne blâme pas celui qui écoute la musique du monde. Je ne blâme pas, c'est son choix. Mais moi, j'ai été possédé par une autre culture. La culture du royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? Juste un dernier point. Dans la culture du royaume, tu as aussi la propriété. La propriété. Parce que dans le royaume de Dieu, tout commence par l'ordre. La loi de l'ordre. Bon, nous au pays, on a quand même une culture, c'est celle de la saleté. Les gens aiment la saleté. Même ceux qui vont à l'église, beaucoup d'ailleurs. Mais sachez une chose, ce n'est pas la culture du royaume, c'est la culture du monde, la saleté, le désordre. Chaque chose doit être à sa place. Chaque chose doit être rangée. Quand tu viens ici, il faut qu'il y ait la propreté. Tu vas dans les toilettes, laisse les toilettes propres. Dis amen à ton voisin. Apparemment, il est concerné par cette remarque. Vous terminez. Alors que la culture du royaume se développe en toi, tu développes aussi un nouveau système de croyance. Dans le monde, vous voyez, on mélange beaucoup de choses. Dieu, je vous ai dit, hein, la culture est plus forte que la religion. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont à l'église. Parce qu'il faut aller à l'église. Mais la tradition, la culture fait qu'on doit vénérer les ancêtres. On doit vénérer un tel. Vénérer les images, vénérer les statues, vénérer, parce que c'est comme ça qu'on a été élevé. Et c'est dur de briser la culture, et je les comprends. Mais, la Bible dit, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas dans les cieux, en haut dans les cieux, en bas sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras point. C'est la loi de la sainteté totale, absolue à l'Éternel. Tu rends hommage à Dieu seul. Tu apprends à ne plus mélanger Dieu avec tel objet, telle chose. Non, 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 non. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est Dieu et c'est Dieu seul. Oui, mais je vais être guéri. Bon, je vais quand même aller à l'église. Après, si ça ne marche pas, je vais aller là-bas, là où on m'a dit d'aller. Parce que là-bas, il y a une maman là-bas qui, en tout cas, fait un peu de consultation. Bon, frère, tu honoreras l'Éternel, ton Dieu, et lui seul. Quand tu acquiers la culture du royaume, tu apprends à aimer et à dépendre et à compter sur Dieu seul. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Seul peut combler mon cœur. Inclinons la tête. Toi seul donne un sens à ma vie. Tu es tout
tout ce que j'ai de plus cher, l'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Non, tous les compliments ne remplissent pas mon cœur. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Toi seul peux combler. Ah, ce matin, je viens devant toi. Que je suis toi seul, qui d'autre peut donner un sens à ma vie? Tu es tout ce que j'ai de plus cher, même l'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Je te célèbre, mon Père et mon Dieu. Tous les compliments des hommes ne remplissent pas mon cœur. Non. Toi, tu es tout ce que quelqu'un lui dise. Toi seul. Ah, à qui irais-je, mon Père et mon Dieu? Toi seul. Ton essence à ma vie. Tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Même l'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Tous les compliments. Éternel mon amour, éternel moi, ma passion, ma forteresse. Tu es tout ce que j'ai le plus cher. Même l'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Non. Tous les compliments. N'emplisse pas mon cœur. Toi, tu es tout ce dont j'ai besoin. Toi seul, mon Père peut combler mon cœur. Je m'humilie. Toi seul, j'ai fait des mauvais choix. J'ai fait des erreurs. J'ai commis plein de fautes. Je me suis égaré à tellement de reprises. J'ai fait confiance à tellement de personnes, pensant trouver le secours, pensant trouver le salut. Mais je me suis planté. Je le reconnais, j'ai commis des fautes. Et ce matin, Seigneur, Majesté, notre Père et notre Dieu, Seigneur, notre Père, je voudrais ce matin, avant de clôturer,